Alors bonjour à tous et à toutes, c'est l'élevage de Gauthier. Aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous montrer les signes d'une mise bas. Voilà. Donc alors, les signes d'une mise bas, c'est la mère va faire son nid. Voilà. Là on voit bien, c'est que j'ai ouvert la cage, mais sinon dans la journée elle s'est quasiment pas déplacée. Elle est restée sans trop bouger pour éviter les contractions. Voilà. Pour éviter toutes les contractions liées au mouvement. Voilà. Son ventre, il se gonfle pas mal. Voilà. Donc, souvent, c'est les signes d'une mise bas, soit dans la nuit, soit dans la nuit d'après, mais voilà. Puis la mère va bien s'alimenter pour bien manger, voilà. Puis elle va surtout s'allonger pour, comme je vous le disais, éviter toutes les contractions. Voilà. Donc c'était une toute petite vidéo, voilà. Demain je vais vous faire une vidéo sur mon éleveuse à poussins. Donc ça y est, je l'ai faite, j'ai construite. Voilà. Je vous ferai une vidéo sur la lapine naine parce qu'elle a eu des petits soucis. Voilà, donc je vous expliquerai tout ça dans une vidéo. Je vous donnerai des nouvelles des lapins, voilà. Donc j'ai changé sa cage à la lapine là qu'on voit aujourd'hui puisqu'elle était censée faire ses petits bientôt. Voilà. Puis donc si elle se débourre, ça veut bien dire qu'elle est prête. Débourrer, c'est quand elle s'arrache les poils. Ça veut dire qu'elle est prête à faire ses petits. Voilà. Et là, je donne un petit aperçu des laprofauves de Bourgogne pure race. Voilà. Ils ont ouvert il n'y a pas longtemps les yeux, il n'y a pas longtemps, ces petites canailles. Voilà. Et puis on voit bien, j'ai regardé son utérus. Elle commençait à. On voyait à sortir des petits trucs. Donc voilà. Une petite dilatation du col de l'utérus. Voilà. Donc bon, je la laisse faire tranquillement. Hein. Elles n'ont pas besoin de moi quand elles font leurs petits. Dans la nature, elles ont pas besoin de nous. En cas de grand problème, je viendrai. Mais bon. Je viens de rentrer de Malfauve de Bourgogne là, parce qu'elle était dehors. Je vais rentrer le mâle papillon. Et bien, voilà, donc là il y a les poupoules. Elles dorment. Allez. Et oui, comme je disais, normalement, si c'est pas cette nuit, ça sera demain, mais les petits devraient arriver. Puis surtout, ce qu'on voit souvent, c'est les signes qui nous montrent le plus qu'elles vont faire leur petit, c'est faire le nid et pas beaucoup se déplacer pour éviter les contractions. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci de l'avoir regardée. Et demain, je vous ferai plein d'autres petites vidéos pour vous donner des nouvelles des bêtes, nouvelles du potager, nouvelles des poules. Ma couveuse, donc combien de temps les petites devraient naître. D'accord. Et une vidéo sur la lapine. Donc voilà, demain, ça sera une vidéo chargée en... Une journée chargée en vidéo. Voilà. Merci à tous. C'était l'élevage de Gauthier.